Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. L'Afrique est actuellement le deuxième continent le plus peuplé au monde. Il est donc logique que parmi sa population, on retrouve des petits génies et des inventeurs qui réussissent à réaliser des inventions hors du commun. Certains d'entre eux ont même su trouver la bonne idée pour changer le monde, ou presque. Et voici les amis, le classement des 10 meilleurs inventeurs d'origine africaine avec des inventions connues à travers le monde. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. On commence. Arthur Zhang est originaire du Cameroun. Il est le père du fameux cardiopathe, un appareil devenu incontournable dans le monde de la médecine, surtout en cardiologie. En effet, cet ingénieur a fabriqué une tablette spéciale avec un écran tactile qui a la capacité de faciliter des examens cardiaques. Mais ce qui rend particulier son appareil, c'est qu'on peut l'utiliser même pour des examens à effectuer dans un endroit éloigné. Ainsi, les résultats obtenus peuvent être envoyés directement grâce à un réseau sans fil à des spécialistes ou des laboratoires afin de subir des examens plus profonds. Le docteur Trevor Wadley vient d'Afrique du Sud. C'est l'ingénieur qui a développé et inventé le téléromètre ou micro-distancemètre MRA1 en 1959. Avec son appareil, il a pu développer un ionosonde qui a la capacité de mesurer l'ionosphère de la planète Terre. C'est également cet ingénieur qui a déterminé le circuit à boucle de Wadley. Ce circuit a permis de stabiliser les récepteurs de communication. Ce fameux appareil qu'on utilise très souvent dans les hôpitaux est aussi l'invention d'un Africain. En effet, le scanner est l'ingénieux travail du physicien Alan Cormack, originaire d'Afrique du Sud. Avant sa construction, le physicien avait fait une étude sur les probabilités de développement d'une section radiologique dans le système biologique, ce qui lui permettra de définir des théories et des bases sur la construction du scanner CT. Sa théorie a été publiée dans les documents scientifiques en 1963 et 1964. On reconnaît cette invention de Rachid Yazami d'origine marocaine, étant donné que la plupart d'entre nous l'utilisent tous les jours. En effet, ce scientifique marocain a basé son étude dans les recherches et le développement des batteries au lithium-ion et en ion pour faire fonctionner les téléphones portables. Son invention est actuellement très utilisée par des firmes fabricants de smartphones comme Samsung, Nokia ou encore Apple. Né et habitant de Malawi, William Kamwamba est un autodidacte qui a réussi à fabriquer un moulin à vent générateur d'électricité qu'il installa pour sa maison. Pour sa fabrication, le Malawite a utilisé des vieilles pièces de vélo ainsi que des matériaux qu'il a trouvés dans un chantier naval. En plus de cette invention atypique, William a également développé un appareil qui permet de pomper l'eau avec l'énergie solaire, une autre invention qu'il a offerte à son village pour que tout le monde puisse en bénéficier. Louis Stevenson a créé et inventé le Cybertracker, qui est un terminal portatif ayant la capacité de suivre la trace des animaux mis en liberté. La spécificité de cet appareil, c'est qu'il est connecté au réseau satellite pour permettre la navigation sur un territoire donné. C'est également un outil avant-gardiste étant donné que son inventeur l'a fabriqué en 1996. Par ailleurs, l'appareil est utilisable même pour des analphabètes grâce à une interface spécifique installée sur le Cybertracker.
Depuis tout petit, cet Éthiopien de 36 ans rêvait de voler. Rejeté par l'école d'aviation de l'Ethiopian Airlines, il a décidé de construire lui-même sa propre machine volante. Et il y est parvenu en recyclant tous les matériaux utilisés qui lui sont tombés sous la main. Du bois, du métal et plus encore. Même si la première tentative de vol ne s'est pas bien déroulée, Asmela Zefuru est la preuve vivante que l'Afrique possède des ingénieurs talentueux. Bravo à cet Éthiopien. À 23 ans, ce jeune homme originaire du Togo, l'un des plus petits pays d'Afrique de l'Ouest, peut être fier d'appartenir à la classe des inventeurs africains les plus connus de la décennie. Il est l'inventeur du premier ordinateur low-cost africain. Cette initiative s'inscrit dans un projet de développement et de facilité d'accès à l'éducation. Pour environ 76$, soit moins de 40 000 francs CFA, vous avez un ordinateur capable de se connecter à Internet ou de créer des documents. Quelques années plus tôt, alors âgé de 19 ans, il avait conçu un robot humanoïde capable de communiquer avec l'homme. Âgé de 17 ans seulement, l'héroï Wassaru a compris que seule une énergie renouvelable peut assurer la survie de l'humanité pour les temps à venir. Il a donc mis sur pied un bioréacteur à excréments humains capable de récolter les déchets organiques et de les transformer en énergie. Le Sénégalais Ousmane Ba, l'homme qui révolutionne les cultures de céréales, a eu une idée de génie. Pour rentabiliser la culture de tous les types de céréales, il a conçu un semoir monobloc qui peut être adapté à une traction motorisée ou animale. Cet outil multifonctionnel permet de réaliser une culture de grande portée. Il permet de gagner en temps et en énergie. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus en l'air. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour encore et encore de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.